Allez hop, c'est parti aujourd'hui pour un troc. Donc, on va y aller. Aujourd'hui, donc c'est le H1 qui part pour un troc concernant un camping-car. Donc, suite à l'annonce que nous avions posée sur pas mal de supports, voici le véhicule en question que nous allons échanger. Donc, alors on l'ouvre. J'avais déjà préparé la veille donc les papiers. Donc c'est la petite sacoche bleue que vous voyez. Et une petite caisse à outils. Alors pourquoi? Parce que le camping-car qu'on va aller chercher, comme il est un petit peu plus âgé, on sait jamais, il peut y avoir un petit souci. Et puis là, ce que vous voyez à côté, ben c'est en fait un lot de pièces qui est fourni pour ce véhicule. On avait déjà plus ou moins entamé des frais, enfin pour une remise en état suite à un premier contrôle technique, que vous avez dit qu'il y avait donc des freins et des choses comme ça à changer, et puis au final il n'y a pas, donc on fournit quand même les pièces, ça sert à rien de les avoir à la maison, et ça peut toujours être un plus au niveau du troc. Voilà, donc là on va partir en direction de Blois, c'est à peu près à la moitié de la distance par rapport à la Vendée, avec donc l'autre personne que vous verrez sur la vidéo, qui vient lui avec son camping-car. Donc on se fait 50% du trajet à chacun pour partager, on va dire, les frais de route, etc. Voilà. Je vais vous filmer tout le périple, tout le troc jusqu'à là. Donc là, c'est un Hyundai H1, donc à 9 places en fait. Et on va échanger contre un camping-car. Bon, bah, il nous reste à peu près 2 heures de route. Donc on continue pour le point de rencontre pour l'échange. Direction Blois. Donc en même temps on fait de la visite du tourisme. On continue à rouler et en même temps on visite. Alors, il nous reste encore 1 heure de route pour arriver au point de rencontre. Et on a eu donc le propriétaire du camping-car qui nous appelle parce qu'il est en panne, immobilisé au bord de la route. Le véhicule n'a plus de batterie et il savait en fait que c'est la courroie d'alternateur qui s'est complètement défaite. Et du coup, ça ne charge plus la batterie. Donc, ça fait partie parfois des aléas du troc. Et c'est pas grave, on va aller quand même sur place. C'est une simple courroie, c'est pas grave, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et donc après, on regarde ce qu'on peut faire. Soit on fait le troc, soit on le fait pas. Voilà. Mais il faut pas tirer de conclusions hâtives en se disant ouais c'est un véhicule mal entretenu ou autre, parce que sur la photo qu'il a envoyée, on voit bien que la courroie elle n'est pas vieille. Voilà, donc par rapport à ça, effectivement, là je m'arrête chez une motoculture. Ah, il est fermé. Parce qu'en fait, il m'a envoyé la photo de la courroie et moi de mon côté, en allant sur le point de rendez-vous, j'essaye de trouver aussi une courroie pour être sûr de faire une réparation sur place, parce que comme vous avez vu ce matin, j'ai pris la caisse à outils qui va permettre de faire une réparation de fortune et donc pouvoir repartir. Si je trouve une courroie, il y a juste à la remettre et pouvoir partir. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours partir équipé quand on fait un peu de longue distance, parce que justement on sait jamais. Et ça peut arriver sur la voiture que vous troquez, mais aussi sur la voiture que vous allez récupérer derrière. Donc surtout, ne pas prendre Ah, il y a un garage là aussi. Ah, on va aller voir
s'ils ont une courroie. Normalement, on arrive justement avec l'autre personne qui a le camping-car, en espérant que ça soit pas trop loin, puisque j'ai quitté l'autoroute, parce que pour faire vite, j'ai pris effectivement l'autoroute. Alors, là, il y a une petite aire, mais non, il n'y a personne, et là-bas, on a un gros camping-car qui paraît être celui-ci. Enfin, au loin. Non. Trop récent. On va y aller doucement. Ah, si, c'est lui. Ok. Bon, on va faire demi-tour. On va le rejoindre. J'ai réussi à faire demi-tour, donc on arrive bien là sur le véhicule qui était celui qui était donc arrêté. On va aller voir. Je vous fais une vidéo directement. Pour mettre sur Facebook par exemple. Bon bah voilà, alors on est arrivé. Elle est où la vieille courroie? Elle est viens. Donc, arrivé sur place, bon bah, on s'est démerdé pour trouver des courroies que voici. Et la courroie qui était HS, bah voilà. En fait, c'est pour une vidéo de troc. Je disais, c'est pour une vidéo de troc. J'explique que des fois, en faisant un troc, on peut tomber sur des, des péripéties comme ça. Ouais. Voilà. Je suis désolé, j'ai parlé de ça dans votre vidéo. Non, non, vous inquiétez pas, c'est tout bon. Mais comme ça, au moins, les gens, ils voient que ça peut arriver à n'importe qui. Oh là là, si j'avais su ce matin... Bon, voilà, on a réussi à faire à mettre la courroie de l'alternateur en place. Donc maintenant, on va remplir les papiers. Donc une petite visite guidée, vite fait, de la bête. Donc ici, la chambre parentale. Et puis là... salle de bain. Tac. Avec une petite porte indépendante, parce que là il y a un rideau qui se met avec la climatisation, le toit ouvrant, deuxième lit parental et puis le coin cuisine salon. Maintenant on va remplir les papiers. Bon bah voilà, on a fait les transactions. Tac. Ouais, ça doit être bien. Ça rend bien. Bon bah, nickel. Bon bah voilà, on est à bord du camping-car. Donc la transaction elle a bien eu lieu. Donc là le voyant, bah, on va regarder, mais il me semble que c'est la prise qu'on a vu débrancher lors de la mise en place de la courroie d'alternateur, comme vous avez pu voir. Hein. Donc pendant le troc, la personne elle s'est déplacée, puis la courroie qui a cassé. Donc on a fait une réparation sur place, voilà, donc il roule bien, il nous a fait un topo rapide, puisque le problème c'est que bah, j'ai beaucoup de route à faire et je pouvais pas traîner sur place, donc j'ai regardé globalement que le véhicule était en bon état, qu'il n'y avait pas de problème, voilà, par rapport à ça, ça me suffit. Après pour le reste on peut voir par téléphone, la communication elle s'est très très bien passée dans les deux sens. Voilà, et puis il a été même plutôt ravi d'avoir fait cet échange dans les conditions qui se sont présentées, parce qu'il avait vraiment peur d'être mal reçu, etc. Par rapport à la panne du camping-car. Et puis au final, voilà, un peu de philosophie et puis de discussion, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc là on est sur le retour, donc là bah en fait pour le rejoindre j'avais dépassé Tours, donc là du coup j'arrive sur Tours et puis après bah direction région parisienne, secteur Disney. Voilà, donc si vous aussi voulez faire un troc, bah tout est possible avec du temps et puis enfin de la patience et puis
avec des propositions qui sont équivalentes en face, en règle générale, vous arrivez à faire un troc sans aucune difficulté. Alors pour ceux qui ont une voiture en fin de vie, qui veulent un monospace de telle et telle année et ainsi de suite, vous pouvez arrêter de chercher parce que il y aura très forte chance que vous n'arriverez pas à faire de troc. Le troc, il faut qu'il soit équitable dans les deux sens et que chaque partie trouve son compte. Voilà. C'est la base du troc, tout simplement. Donc voilà, ici, camping-car. Contrôle monospace, 9 places. Hyundai. Voilà. Donc là, on est à Tours pour ceux qui connaissent. Hein, voilà. Ici, le centre technique Saint-Pierre. Et puis en même temps, vous voyez, sortie Tours Centre à 600 mètres. Voilà. Bon, en espérant que toutes ces explications vous ont permis de comprendre le troc, mais aussi peut-être de vous lancer. Donc n'hésitez pas, peut-être on fera un troc ensemble, pourquoi pas. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.